Nous sommes dans l'enceinte du lycée. Alors, justement, nous avons voulu vous présenter la vie que mènent les élèves ou les apprenants ici au lycée Kifufu Kisiama de Mbansamboma. Donc voilà, nous sommes à l'intérieur. À la fois, il y a la bonté, il y a aussi la beauté. Voilà. Nous allons justement entrer à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Nous les faisons pour vous faire voir que l'intérieur n'est pas l'inférieur. Voilà, l'intérieur n'est pas l'inférieur. C'est un lycée qui est à l'intérieur, mais qui n'est pas inférieur aux autres lycées qui se trouvent au centre-ville et dans différentes cités. Voilà, c'est une mission catholique de Mbansamboma qui a un lycée moderne. Donc, toutes les conditions sont réunies pour accueillir vos enfants. Alors ensemble, nous allons devoir visiter d'abord quelques locaux des élèves avant d'être autour d'une table et puis nous entretenir avec les responsables de ces lycées pour vous faire voir et savoir, découvrir même ce qui se passe ici à l'intérieur pour le bonheur de nos enfants, de nos prochains cadres du pays. Le lycée Kifufu Kisiama, c'est une œuvre des religieuses du Sacré-Cœur de Jésus qui a été fondée en 1947 par les missionnaires, les sœurs belges qui sont arrivées ici au Congo en 1927. Et le lycée a été fondé en 1947 pour l'éducation des jeunes filles. À l'époque, c'était les jeunes filles blanches de la colonie. Vous voyez que c'était au temps de la colonisation. Mais après, avec l'indépendance, nous avons reçu les jeunes filles congolaises. Et depuis là, le lycée continue avec les jeunes filles congolaises. Et d'abord, c'était les filles des évoluées. Et puis après, bon, l'époque des filles évoluées était passée. Maintenant, c'est les filles de nos jours, les filles, nos filles du pays qui viennent étudier au lycée. Nous avons les filles qui viennent de Kinshasa pour l'internat. Et il y a aussi les filles des environs, des villages environnants qui étudient. Nous recevons toutes nos filles et nous leur assurons l'éducation selon l'esprit de la société du Sacré-Cœur. Parce que nous, au Sacré-Cœur, nous éduquons à l'amour, voilà, à la vérité, à la liberté et à la responsabilité. Et par rapport à la responsabilité, nous leur apprenons à rendre service. Parce que la générosité est une grande valeur chez nous au Sacré-Cœur. Et on manifeste la générosité par le service, savoir se donner, aider les autres. C'est ce que nous essayons d'apprendre à nos filles et nous les encourageons. Comme ça, à l'internat, il y a des emplois, nous les encourageons
à rendre service en faisant bien leur emploi et leur, les études aussi, en étudiant et en réussissant. Donc c'est un peu comme ça que nous nous donnons pour l'éducation d'une jeune fille. On commence où? Non, on commence à l'étage, en 8e. Voilà, donc les noms des les téléspectateurs veulent un peu connaître votre nom. Oui, je réponds au nom de M. Ipin Kabila, professeur de français et chargé de la culture et chargé du protocole de cette école. Ok, donc nous sommes en fait. Nous sommes au lycée qui vous dit à Madame Zamboko. Donc une école des religieuses du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Situé dans le Congo central. Dans le Congo central, donc je crois quelques mètres de Madimba et puis à cheval Madimba et puis son abattre. Tracer d'abord l'ensemble. Trace d'abord et puis l'ensemble des solutions c'est vendre. Est-ce que c'est ça? Oui. Très bien. Alors pas t'asseoir. Quelqu'un d'autre pour nous trouver l'ensemble des solutions? Oui. Ça. Mais quand même, il y a de l'effectif ici chez vous par rapport aux élèves. Bon, oui, les effectifs, c'est dans les petites classes. Mmh. Petite classe, 7e, 8e, et, donc toutes les premières. Mmh. Okay. Mais dans les grandes classes, des 3e et 4e année, en tout cas, ce n'est pas un grand nombre. C'est donc, simple. Je sais que les années prochaines, il y aura déjà mal d'élèves. Pas mal d'élèves, parce que surtout qu'ils sont bons. Cela va de pair avec les résultats. Ouais. Oui. Et surtout que chaque année, nous travaillons très bien. Mais oui. Peut-être les coûts, hein, parce que c'est l'internat. Donne les espèces bactériennes pathogènes de l'homme. Donc, qui cause les maladies chez l'homme. Merci. C'est fait? Oui. Ok. Alors, puisqu'on vient de sonner, à développer. Prochainement, concentrez ça. Prochainement, nous allons l'extrapoler. Il y a des cours d'ensemble. Cours d'ensemble où tout le monde se retrouve. Et quand on sonne, elles doivent rentrer dans l'air. Ah, donc, des fois, il y a la fusion. Oui, il y a la fusion. Quand il y a les cours d'ensemble, cours d'ensemble. Différentes options. Options, voilà. Des sections. Oui, on les met ensemble. Et puis, et quand on sonne, il faudrait que chaque promotion rentre dans leur salle respective. C'est quoi, vous voyez? Et okay. Sont là. Okay. Voilà. Mais quand même, c'est un grand lycée, mais aujourd'hui, apparemment, les parents ne s'y mettent pas. Ils ne se mettent pas parce que les infrastructures sont présentables, très bonnes et belles même. Hein? Mais juste, c'est où la clé pour trouver une solution? Bon, en tout cas, je dirais, la clé pour trouver la solution, ce n'est pas notre niveau. Vous savez, la conjoncture du pays, en principe. Donc, je crois, c'est un grand lycée, comme vous venez de le dire. Mais avec la conjoncture, je crois que les moyens ont quand même baissé. Hein? Donc, c'est pas donné à tout le monde d'envoyer l'enfant à l'internat. Donc, c'est de l'économie, il faut vraiment des chiffres. Mais petit à petit, je crois que nous allons récupérer notre place dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir en commençant par la présentation? Oui, oui. Je me présente. Je me nomme M. Michel Landon Kongolo, directeur des disciplines et encadreur physique au lycée Kivuvu Kisiama de Mbanzamboma. Ok. Alors, ça évolue quand même? Oui, oui, ça évolue depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Les cours se donnent normalement et les activités se déroulent aussi normalement. Non, pour cette année, du moins, nous avons inscrit beaucoup des élèves des villages, des villages environnants. Elles sont nombreuses ici, en tout cas. Pour cette année, nous avons fait cet exploit-là. Et cette fusion de ceux qui viennent d'ailleurs et ceux qui sont ici n'a pas dérangé les uns les autres par rapport aussi, parce que tout dépend aussi de la race sociale et des différentes familles de provenance. Ça n'a pas dérangé?
Pas du tout, pas du tout, parce que quand elles arrivent ici, en tout cas, elles cherchent d'abord à s'adapter par rapport au milieu. Et après quelques temps, en tout cas, elles s'adaptent et en tout cas, il n'y a pas assez de différence à ce moment. Je voudrais ajouter un petit point par rapport à la discipline. Hein. Vous savez, ça c'est un grand lycée. Nous avons un règlement intérieur qui régit les élèves ici. Bon, là où il y a beaucoup de gens, les problèmes ne manquent pas, mais on s'y met pour essayer un peu d'harmoniser et de maintenir la discipline à l'école. D'ailleurs, comme vous le constatez vous-même, il y a du calme un peu partout. Les profs sont dans les salles de classe. Alors, c'est vraiment un bon climat qui règne ici à ce qui concerne la discipline. Je suis ici à Mbanzaboma, il y a 2 ans déjà passés. Ça, c'est ma 3e année où j'assume la direction de l'internat. J'ai à l'internat 130 élèves. Je peux dire que j'ai à l'internat 200 élèves, puisqu'il y a 2 systèmes ici. Nous avons le système de l'internat et le système des semi, oui, semi-internes. Mais cela diffère de paiement. Ok. Oui, la manière dont on paye, ça diffère. Alors, la différence est où entre les internes et les semi-internes? Les semi-internes viennent du village de... Les villages environnants, oui. Villages environnants, oui, qui ont des simples moyens de paiement. Alors, ce sont des semis et les internes sont des quinoises, oui. Alors, votre effectif ne présente pas des déficits alimentaires? Et sinon, quelles sont les stratégies que vous avez mises pour ne pas avoir des failles du côté de la restauration des apprenantes? Je fais les champs pour aider à surmonter qu'il n'y ait pas de déficit. Oui, je fais des champs. Les champs de maïs, au lieu d'acheter les maïs à l'extérieur que je donne aux enfants, les arachides que je donne aux enfants, là, je n'achète pas, je prends de mon champ. Oui. Okay. Et les manioc aussi. Je fais des chikwangs aussi, okay. Et je donne moi-même à l'internat. C'est ce qui aide à ne pas faire sortir les rages. Il y a tout un horaire établi pour la restauration des enfants, un programme alimentaire hebdomadaire que les enfants respectent ou bien vous mangez de la manière de qui cherche trouve? Non, nous avons le menu. Okay. Oui, nous avons le menu. Chaque jour, il y a quelque chose, on changera même. Par exemple, les lundis, nous avons les pondous. Le pondou pilé par elle-même le dimanche. Ok. Oui, c'est elle-même qui pile le pondou et un morceau de poisson salé. Oui, ça c'est le lundi, le mardi. On a les poissons, on fait la sauce blanche avec les aubergines et les piments doux. Le mercredi, on a les haricots, là-dedans on met les pilchards et les riz. Oui, les jeudis, on a la cuisse avec une sauce blanche et la chikwang. Mais chaque jour aussi, il y a le riz, il y a le foufou. Il y a des élèves qui sont uniquement pour le foufou. Il y a des élèves qui sont uniquement pour le riz. Évidemment. Le riz, oui. Et la chikwang, ce n'est pas chaque jour. Ce n'est pas chaque jour qu'on a la chikwang, parce que la chikwang aussi est coûteuse. Oui. Alors, combien de gants? Il ne mange qu'à 3 gants, oui. Le matin, l'été, à midi, une nourriture consistante. Le soir, du thé. Du thé avec un pain et accompagné de la margarine ou de la saucisse. Oui, saucisse, les œufs, oui, les sardines. Oui.
la manière dont vous les traitez ici et à la maison. Parce qu'il y a des enfants, quand ils viennent, quand elles viennent, sont des femmes. Quand elles sont là, ces élèves avec vous, peut-être ils ont perdu du poids en revenant de la maison. Ou soit quand ils viennent, ils n'ont pas assez de poids et arrivés ici, ils ont eu de l'amélioration. Un peu par rapport à ces tendances-là, comment est-ce que vous les observez? Est-ce que vous en êtes fiers? Et au début, quand ils arrivent, oui, il y a des parents qui disent « ma soeur, ma fille a perdu du poids ». Mais à la longue, en tout cas, elles-mêmes peuvent témoigner, vraiment, elles gagnent du poids. Elles gagnent du poids à la manière que le matin, elles déjeunent. Il y a des familles à la maison, elles ne déjeunent pas. Voilà. Oui. À midi non plus, mais une petite chose seulement qu'on grignote, c'est le soir, on mange très bien. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, par rapport aux différentes conditions hygiéniques, comment est-ce que vous avez installé, comment est-ce que vous êtes organisé chez vous? Parce que ce sont des femmes. Oui, ce sont des femmes, à part la difficulté d'eau, mais ce n'est pas chaque fois où vraiment nous manquons de l'eau, elles descendent elles-mêmes à la rivière pour surtout faire la lessive. Et la rivière n'est pas lointaine d'ici? C'est un peu loin, une petite montée. Oui, les pauvres souffrent. Alors, avant de continuer, il y a quelque chose que je vais un peu savoir. Toutes sont là, mais elles ne sont pas chrétiennes, catholiques. Est-ce que vous avez aussi le temps de leur prêcher la bonne nouvelle qui est basé sur le christianisme, tout ce qui vient chez vous? Donc un temps de chapelle, ou bien elles sont là tellement qu'elles sont venues pour les études, il faut qu'ils se restent dans les études. Nous sommes une école catholique et nous avons une chapelle pour les enfants et les messes sont organisées. Par exemple, pour les internes, tous les vendredis à 6h15, elles ont la messe. Et à part cela, elles ont des engagements au niveau de la paroisse. Nous avons les mouvements, le groupe K. Oui. Nous avons mis nos élèves dans le groupe Kizito et Anuarite. Oui. Et suivent la spiritualité de nos bienheureux, Kizito et Anuarite. Et nous avons aussi le groupe de Bilingue à Mwinda, pour celles qui sont des humanités de 16 ans à 18 ans. Il y a le groupe de Bilingue à Mwinda. Cette année aussi, on a commencé la Légion Junior. Ok. Les soldats de Marie, les enfants qui ont la dévotion à la Vierge Marie. Chacune choisit là où elle veut aller s'engager. Il y a aussi le groupe des scouts. Il y a aussi les scouts qui sont là. Donc, nous encourageons comme ça les filles à s'engager dans les groupes, dans les mouvements, pour pouvoir recevoir les enseignements et apprendre autre chose par rapport à la vie. Nous avons aussi quelques filles musulmanes qui sont ici, avec qui nous nous entretenons. Hein, nous essayons de leur parler du Christ et elles aussi essayent de nous partager leurs enseignements par rapport à leur religion, à l'islam. Et bon, nous sommes dans le dialogue. Nous les respectons dans leur foi, c'est important. Nous avons aussi les filles des églises de réveil. Avec elles aussi, nous sommes toujours en dialogue. Et nous essayons de nous comprendre en respectant toujours la foi de chacune. Parce que Dieu, il est un. Donc nous ne pouvons pas nous séparer à cause des doctrines. Donc c'est cela qui est le plus important pour nous. C'est Dieu est amour, Dieu est un. Et l'union, c'est une valeur centrale chez nous au Sacré-Cœur. C'est comme ça que nous insistons à respecter la foi de chacun. Ok. Bon, monsieur le guide, hein, monsieur Nkabila, c'est avec vous et puis les autres, comme nos téléspectateurs nous voient déjà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord, parce que vous avez parlé en gros, maintenant nous sommes là, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord du lycée qui vous tient à main? Bien, comme vous venez de le dire, c'est un grand lycée, vous avez vu,
le panorama, la perspective. Je crois que merci d'être venu. Le reste, j'ai fait les guides. Et nous sommes entourés des élèves et de mon proche collaborateur. Donc, il y a lié qui ajoute aussi certaines histoires. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est le chargé des disciplines culture, sport, c'est ça? Oui. Quand même, c'est une organisation hors du commun, puisque c'est rarement dans des écoles de trouver un chargé de culture et sport. Il y a seulement les professeurs ou la Sénat de l'éducation physique. Mais quand même, ici, il y a une nouveauté particulière à ces. Qu'est-ce qu'on peut comprendre chez vous? D'abord, primo, on commence par la discipline. Merci beaucoup pour la question. Je suis chargé de discipline au sein du lycée Kivuvu Kisiama de Mbanzamboma, je ne sais pas. Et chargé aussi de sport au sein de ces mêmes lycées. Mmh. D'emblée, je dirais que la discipline ici au lycée, c'est une affaire de tout le monde. Mais, quand même, vous avez maîtrisé les tempos de vos élèves. C'est une affaire de tout le monde, mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même un chargé qui s'occupe de la tâche d'abord administrative, parce que j'ai tout un bureau, il y a la tâche administrative. Et il y a aussi la tâche technique, c'est-à-dire il faut surveiller les uniformes des enfants, l'entrée des enfants dans les salles des classes et surveiller aussi les cours pour celles qui sont dehors, celles qui se promènent. Donc j'ai toute une tâche ici immense pour ce qui concerne la discipline à l'école. Uh-huh. Alors, pour les sports, parce qu'ici, il y a l'internat et il y a deux jours qui sont prévus pour les sports. Uh-huh. Il y a les mercredis où les élèves n'ont pas l'étude et il y a aussi la journée du week-end, donc les samedis. Donc, à partir de 15h, nous avons des activités sportives. Alors, gérer des filles, ce n'est pas une tâche assez difficile? Pas du tout, parce que... C'est pas une symbiose. Il n'y a pas d'hommes et de femmes, mais il y a seulement des femmes. Bien sûr, c'est une tâche difficile, bien sûr, mais nous sommes là et on ne peut pas l'éviter. Nous sommes là. Oui, mais c'est un Kabila. Oui, j'allais compléter qu'on ne se fasse pas avoir beaucoup d'idées à propos des filles. Elles trop sont, capricieuses. Non. Elles sont des élèves comme tout élève. La spécialité du lycée, c'est une école à vocation féminine. Donc, elles sont polies, respectueuses, comme tout élève. Donc, elles ne sont pas si difficiles à gérer. Et quand les élèves suivent les règlements de l'intérieur, et tout passe bien. Même dans les écoles où il y a les collèges, il y a les garçons. Et quand le règlement de l'école n'est pas suivi, il y a de l'âge. Mais ce n'est pas le cas chez nous ici. Donc, nos filles, en tout cas, elles sont respectueuses, et polies et elles suivent le règlement d'ordre de l'école. Voilà. Alors, on commence d'abord par la dame ici. Madame, elle peut prendre le micro. Non, je ne sais pas, c'est vous qui m'avez donné. Elle pouvait intervenir en anglais en principe. Ah non, en anglais, vous restez là. Non, pas même anglais. L'anglophone, vous attendez d'abord. Bonjour, demoiselle. Bonjour. Donc, il est souhaitable que vous augmentiez un peu votre volume. Bonjour, voilà. Monsieur. Ok, donc, les noms, vous êtes dans quelle année comme ça? Vous venez d'où? Je m'appelle Chiamemo Biaïdaki. Je suis en 5e littéraire et je viens de Kinshasa. Pourquoi le choix du lycée Mbanzamboma d'abord? Parce que j'ai toujours voulu être à l'internat. Oui. Et c'est la meilleure que j'ai trouvée. Vous êtes sûr? Et quels sont les critères qui vous ont séduit ici? Disons qu'on ne sort pas trop. Les élèves sont bien appliqués et instruites. Et l'étude est vraiment plus resserrée. Et on peut déjà
nous pouvons déjà nous rassurer qu'il y a des bons résultats. Vous êtes là depuis quelle année déjà? Depuis la troisième année. Ok, mais la troisième... Humanité. Oui, la première humanité. Ok, merci beaucoup. Les noms, vous avez dit, c'est quoi? Tiamé. Ok, merci à la dame Tiamé. Donc voilà. Alors, la suivante... Oui. Enfin, c'est une émission ouverte. Madame, de l'autre côté, je ne sais pas, mais soyez avec nous, s'il vous plaît. Alors, la dame suivante, donc c'est une émission ouverte, chers téléspectateurs. Nous avons voulu un peu vous montrer ce qui se passe ici au lycée Kivuvukisiam. Madame, on peut d'abord découvrir la personne qui est avec nous. Moi, je m'appelle Zouindoua. Je suis élève de 3e humanité scientifique. 3e, donc dans l'ancienne appellation 5e. Oui. Ok, ça se passe bien? Donc, c'est-à-dire, à part le moment des cours, vous avez des temps d'études que vous organisez et comment ça se passe? Déjà, l'étude, c'est chaque jour, à l'exception du mercredi. Les après-midi, il n'y a pas d'études. Donc, l'étude, on dira le lundi, le mardi, le mercredi soir, les jeudis et le vendredi. Mmh. Dimanche soir aussi. L'étude commence de 15h juste à 17h juste. Mmh. Pour les après-midi et le soir c'est de 19h à 21h juste. Mmh. Et vous prenez le temps de vous reposer? Oui, oui. À un moment, de 21h à 5h30. Mmh. Ouais. Ok, alors avant d'aller de l'autre côté, comment est-ce qu'il y a de l'électricité ici? Oui, oui. Si oui, quel est le constat que vous avez fait par rapport au milieu de là où vous venez et ici? Il y a quand même du courant. Il y a quand même. Donc, à 50-50. Oui. Mm. Alors, vous avez le temps de détente, vous avez une salle de détente, genre, vous regardez aussi la télé, des fois? Oui, oui. Mm. Oui. Le samedi. Le samedi, seulement. Seulement le samedi. Mm. S'il vous plaît, le samedi seulement. Et ici, à l'intérieur? Non, là-bas. Il y a aussi des moments de balade. Oui, oui. Et vous allez où? Juste au carré de cours. Et d'autres amis, je n'étais pas là, d'autres gens visitaient. Oh! Donc, malheureusement pour vous. Alors, merci beaucoup. Mais les noms, vous ne nous avez pas donné, s'il vous plaît. Moi, c'est Luanga, de la 3e commerciale. Donc, vous aussi, vous êtes ici depuis la première des humanités? Oui, depuis la 8e. Waouh! Parmi les anciennes? Et donc ça se passe bien ici. Et vous gardez toujours votre poids. Et avec la restauration, la dirente s'occupe de vous calmement. Calmement. Calmement avec la nourriture comme de chez vous. Ou bien ici vous mangez selon... Donc c'est un horaire qu'on vous impose. Oui. Mais vous n'avez pas de choix. C'est comme un kibomango comme on dit. Alors de l'autre côté, ça va chez vous? Ça va. Les noms s'il vous plaît. Et vous êtes de quelle année? Pardon? Je m'appelle Adel Jalila, élève de la 2e année de terrain. Mmh. Madame, comment est-ce que vous échangez avec les enseignants? Il y a quand même une bonne harmonie. Oui, oui. La qualité de l'enseignement par rapport de là où vous venez. Vous aussi, vous venez depuis. Vous êtes là depuis quelle année déjà? Depuis la 7e année. La 7e année. Et vous êtes? Actuellement? Actuellement, je suis en 2e. Ok, donc en 2e, en 4e, donc avec l'ancienne approche. Voilà. Alors, ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien. Vous ne regrettez pas de faire partie de cette équipe du lycée? Non, non. Et quand vous partez en vacances, quels sont les arguments que vous poussez auprès de vos collègues, amis que vous laissez toujours chez vous? Oui, mon école est une très bonne école. Les professeurs... ont des très bonnes qualités premièrement. Déjà, l'enseignement aussi, ça se passe très bien. Le temps libre, nous avons des moments où nous pouvons sortir, des moments, des activités sportives que nous organisons ici. Ça se passe très bien. En fait, apparemment, toutes, parce que vous êtes toutes des filles, vous êtes des basketteuses. Non, il y a aussi le foot. Certaines jouent au foot, certaines jouent au volley. Ok, mais toujours ici? Oui. Mais il n'y a pas un terrain de foot? Le terrain de foot, c'est de l'autre côté. Avec les collégiens, si on peut le dire. Non, juste entre filles. Entre filles. Ok, merci beaucoup.
Vous êtes de la place ici? Pardon? Vous aussi, vous êtes interne? Oui. C'est quoi le nom déjà? Bonjour. Bonjour. Je nomme Chocha, la 4e humanité interne. Mmh, 4e désmanté, donc vous êtes finaliste? Oui. Ok, donc vous partez déjà dès l'année prochaine. Quels sont les bons souvenirs que vous avez retenus de cette école, puisque vous êtes déjà en voie de sortir? J'ai retenu que le lycée, c'est une très bonne école. Je pousse tout le monde à venir ici. Venir nombreux. C'est une très bonne école, il y a une très bonne formation. Une très bonne formation. Alors vous êtes ici depuis la 7e? La 3e. Depuis la 3e. Donc vous avez vu être installé l'électricité ici? Non. Vous l'avez déjà? Je suis venue une année après. Une année après. Donc c'est ça qui vous a attiré? C'est déjà la formation. Okay. Comme vous venez de le dire, les paysages. Il y a eu des hésitations lors de la rentrée scolaire dans plusieurs écoles. Est-ce que vous, ici, on peut dire que les paris ont été gagnés dès les premiers jours de la rentrée scolaire, le 5 septembre? En tout cas, nous, dès le début, là, le premier jour là, déjà de la rentrée, pratiquement tous les enseignants étaient là. Le grand nombre d'élèves étaient là et nous avons déjà commencé dès les premiers jours. Nous avons commencé nos activités. Voilà. Est-ce que vous avez l'effectif de combien d'élèves ici, déjà, avec qui vous travaillez, donc, c'est-à-dire que vous gérez ici un personnel de combien, étant que directeur des études? Voilà, le personnel, nous avons 24 enseignants et 11 ouvriers, hormis le préfet et autres, les enseignants, il y a 24 et les ouvriers, 11. Et à côté de ce nombre-là de personnel qui encadre les élèves, nous avons des élèves. Et les élèves, pour cette année, nous avons commencé avec 283 élèves. Exactement. Et par rapport à l'année passée, il y a eu une nette augmentation. Parce que l'année passée, au début, nous avions 250. Ok. Vous voyez que nous avons... Quand même augmenté ce avec nombre, une trentaine d'élèves une déjà. Une trentaine d'élèves et bon, nous pensons que avec tout ce que nous sommes en train de faire comme publicité, comme là, nous pensons que l'année prochaine ça va encore augmenter et ça sera comme ça d'une année à une autre. Alors il y a des enseignants qui viennent qui ne sont pas d'ici ou soit qui ne sont pas avec vous ici, qui viennent comme des enseignants visiteurs, genre. Alors vous comment est-ce que vous procédez pour les maintenir? Une, deux, trois ans, ils sont toujours ici, ces enseignants. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en œuvre pour attirer un peu l'attention de ces enseignants? D'abord, il y a le sérieux dans le travail. Déjà, quand une personne qui aime bien travailler et qui arrive à un milieu où il sent qu'il y a le sérieux dans le travail, en tout cas, il s'accroche. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est aussi les respects du contrat. Les contrats, parce que les enseignants visiteurs, il faut signer un contrat avec eux. Oui. Et quand on respecte comme il se doit ces contrats-là, en tout cas, ils s'accrochent. Parce que nous respectons les contrats qu'on a signés, c'est comme ça qu'ils sont là avec nous et nous cheminons.
pédagogiquement parlant, est-ce qu'on peut en être fier avec des élèves par rapport à la défense intellectuelle, par rapport aussi à l'application et la prestation quand ils sont en dehors de votre école? Est-ce que vous avez des échos? Les échos, nous en avons. Nous avons beaucoup d'échos et nous ne craignons rien parce que nous sommes sûrs de ce que nous apportons comme enseignement, ce que nous apportons comme éducation à ces enfants. Et partout où elles vont, elles vendent bien l'image de cette école, elles vendent bien les enseignements qu'on leur donne ici. Mm-hmm. Il est à souligner que dans cette école, il n'y a que des enseignants qualifiés. Hein, il y a, en tout cas, pratique tout le monde. Et il y a, je crois, 5 ou 6 qui sont gradués. Et le reste, ce sont des licenciés. Okay. Et ce ne sont pas des enseignants qui ont commencé à travailler aujourd'hui. Ce sont des enseignants qui ont commencé à travailler... Qui maîtrisent déjà la matière. Voilà, qui sont vraiment dans le métier, chevronnés dans le métier. Donc, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour bien encadrer les enfants. Et nous les faisons. Mm-hmm. Et nous les faisons pour que ces enfants puissent, demain, ne pas nous jeter des pierres, mais nous jeter des fleurs. Mm-hmm. Et nous récoltons ça en tout cas. Mm-hmm. Les fleurs, nous les récoltons. Voilà. Et d'ailleurs, on va souligner la session d'examen d'État qui vient de passer. Oui, oui. Nous avons, pour notre province éducationnelle, mm-hmm. nous avons fait sortir la lauréate oui. En pédagogie. Mm-hmm. Vous voyez, donc ça signifie que... Et c'est chaque année comme ça là que nous avons des lauréates. Donc, nous avons foi à notre formation et nous faisons le nécessaire pour que ces enfants, demain, comme je l'ai dit tantôt, nous jettent des fleurs et non des pierres. Alors aujourd'hui, administrativement parlant, c'est parmi les écoles les mieux organisées, parmi aussi les lycées qui font sortir des élèves intelligemment grandes, pour ne pas essayer un peu d'engager un débat. Mais c'est une école aussi qui souffre de l'effectif aujourd'hui. La population est dans l'ignorance, dans la méfiance. Ou soit la population s'endort jusqu'aujourd'hui. Bon, nous ne pourrons pas dire que la population est dans l'ignorance ou dans la méfiance. La population, c'est le coût d'achat, la crise économique qui fait que les parents aimeraient bien inscrire leurs enfants, mais se trouvent à court d'argent. Tu vois, ils inscrivent l'enfant commence l'année, et puis en plein milieu de l'année, ils ne sont plus capables de payer les frais scolaires, surtout pour l'internat. Mais quand même, le Minerval, c'est quand même abordable. Et les parents peuvent inscrire leurs enfants comme externes. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais nous voyons quand même pour les enfants des environs, les inscriptions sont timides. Peut-être aussi c'est le problème de distance par rapport dans les villages intérieurs ici. Oui. C'est la distance, parce qu'il y a d'autres enfants qui disent qu'elles quittent la maison à 4 heures du matin. Commencent à marcher, marchent, mais elles arrivent ici presque à 8 heures. Fatiguées aussi. Fatiguées, et des fois ça leur cause aussi un peu des malaises au niveau physique. Donc il y a tout ça, mais nous essayons quand même de donner cette possibilité-là aux jeunes filles des villages lointains d'être à l'internat. On organise le semi-internat. Avec un coût un peu moins par rapport aux internes. Avec un coût, oui. Et c'est soutenu par la congrégation. Okay. Donc les parents peuvent payer ce qu'ils ont. Par exemple, dans nature, hein, c'est des villages qui apportent les bidons d'huile. Okay. Nous disons aux parents d'apporter tout ce qu'ils ont. Ceux qui plantent, par exemple, des aubergines. Venez avec des sacs d'aubergines, les enfants, on va évaluer, on estime le prix. Vous pouvez payer comme ça, en nature. Nous encourageons comme ça les parents des villages d'envoyer les filles, mais c'est quand même un peu difficile. Et il y a des filles qui ne terminent pas l'année, pour diverses raisons. Entre autres... elles deviennent filles mères. Oui. Ça aussi, ça interrompt comme ça l'année scolaire. Mais nous les encourageons, après avoir accouché,
Vous revenez terminer votre année. Ok, donc continuez c'est faisable chez vous. Continuez votre cursus terminé. Parce que quand même, la femme, c'est la maman. C'est elle qui devra transmettre l'éducation à l'enfant. Okay. Okay. Alors, si elle a une éducation inachevée, qu'est-ce qu'elle donnera à l'enfant et qu'est-ce qu'elle donnera à la société? C'est comme ça que nous encourageons, même les filles, après avoir accouché, viens, continue ton année scolaire, continue tes études, termine jusqu'à obtenir le diplôme. Alors, parler avec ses parents qui ont des enfants, qui sont en 6e primaire, qui veulent passer en 7e et enseignement de base, qui sont en 8e, l'enseignement de base, qui veulent passer en première des humanités, qui sont même en dehors de votre juridiction. Oui, ce que je peux dire, que les parents ne se découragent pas, les parents n'hésitent pas à nous envoyer les enfants. Nous sommes là pour ces enfants. Même si on a des difficultés demain, on essaie de faire le mieux pour ne pas les faire souffrir, aller chaque fois à la rivière. Mm-hmm. Oui. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup. On part vers la cabane. Donc nous partons vers la cabane. Vous savez que les enfants sont compliqués. En principe, la cabane, c'est l'infirmerie. Oui, donc oui, l'appellation cabane, terre à terre, mais c'est l'infirmerie. C'est juste un français, voilà, argot. Voilà, argot, tout voilà. Ça. Donc, en attendant. Merci beaucoup. Mais quand même, il y a un bon suivi quand les enfants sont envoyés ici à l'infirmerie. Oui, en tout cas, le suivi est là, est normal. C'est comme notre élève l'a souligné. Et si l'infirmière est limitée, on n'hésite pas de retourner l'enfant en famille. Donc, la sœur directrice accompagne l'enfant jusque chez elle en famille pour des soins appropriés. Donc, en tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, elle marche très bien. Donc, ça va. Je m'appelle Tanti Florence. Donc, c'est les Florence. Je suis infirmière comme surveillante au lycée Kivuvukisiama. Le SOS est l'eau, c'est la vie. Aidez-nous à avoir de l'eau courante. À l'époque de la colonisation, il avait été construit le bélier, qu'on appelle le bélier, oui, une forme de barrage, et qui desservait la mission. Mais avec le temps, le vieillissement des machines et tout, ce n'est plus opérationnel. Alors, on voudrait réhabiliter le bélier et potabiliser cette eau-là. C'est ce qui pourra aider la mission à avoir de l'eau, le temps des enseignants et tout. Et donc, si les voix qui nous entendent peuvent nous aider pour le bien de cette œuvre qui a commencé à l'époque de la colonisation, et qui doit continuer avec nous, de nous donner de l'eau. Comme ça, nous allons nous réjouir. Avec l'eau, nous pourrons faire des jardins, par exemple. Oui. Hein, des jardins potagers. Aujourd'hui, avec le nouveau programme, oui, dans la technologie, hein, on encourage à faire des jardins, on encourage à faire l'élevage. Ce n'est pas l'espace qui manque, mais quand il n'y a pas d'eau, comment vous allez entretenir un jardin?
Ok. Je commence par les parents. Chers parents, vous avez les soucis d'envoyer vos enfants dans des écoles bien aguerries. Le lycée qui vous semble de Manzamboma, c'est une école qui assure une très bonne formation. Parce que dans ces lycées, il y a le personnel suffisamment qualifié pour encadrer les enfants. N'hésitez pas pour venir nous laisser vos enfants pour que nous puissions les encadrer. Et en plus, nous avons un internat ici. Donc, vos enfants peuvent bien être hébergés ici et l'éducation ou les enseignements seront bien suivis pour que, à la fin, quand elles vous reviendront à la maison, elles vous apportent des bons résultats. Nous ne sommes pas à la première expérience, nous sommes une école qui a été créée depuis très longtemps. Donc, nous sommes expérimentés à la matière. N'hésitez pas de venir nous laisser vos enfants. Et à vous, chers enfants, vous pouvez aussi parler à vos parents, leur dire qu'il y a une école à tel endroit et je vais aller étudier là-bas. Vous ne serez jamais déçus si vous venez ici. Le cadre est bon, les enseignants sont qualifiés, tout est bien bâti et tout est bien là pour vous accueillir et vous apporter l'éducation que vous cherchez. Nous sommes une école catholique. Dans notre école, nous ne formons pas seulement par rapport à l'instruction. Non, notre formation, elle est intégrale. Nous formons la tête, nous formons le cœur, nous formons l'âme. Donc, venez et vous ne serez pas déçus. Cette école n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait longtemps qu'elle a commencé, donc vous ne serez pas déçus. Et ce n'est pas facile pour eux, c'est un grand sacrifice. Loin de femmes et enfants, vous apprenez seulement des nouvelles au loin. Des fois, on vous appelle de toute urgence. La madame est malade, l'enfant est malade, il faut courir. Et ce n'est pas facile pour eux. C'est vraiment un sacrifice. Et cela manifeste qu'ils ont vraiment de l'amour pour leur travail et pour ces jeunes filles qu'ils encadrent. Par rapport à tout ce que vous avez, donc faites sortir un peu votre désir, votre besoin, tout ce qui vous anime. Le besoin actuel, c'est le besoin de la population, c'est le besoin de la paix. La paix, nous voulons la paix pour notre pays, mais la paix doit commencer d'abord dans les familles. Je demande aux familles de cultiver la paix. Mettre fin à tout ce qu'on appelle des querelles, des disputes. Que les parents fassent l'effort de s'entendre, de se pardonner, de se réconcilier pour pouvoir éduquer leurs enfants. Parce que les enfants qui nous arrivent ici, les enfants arrivent avec cette charge-là de la famille. S'il n'y a pas la paix, les parents ne s'entendent pas. Vous voyez les enfants qui viennent avec des mines tristes à l'école, vous n'arrivez pas à expliquer. Ou bien les enfants qui manifestent des malaises physiques, on essaie de soigner, mais on n'arrive pas à soigner parce que ce sont des maladies psychosomatiques. Pourquoi? Parce qu'à la maison, il n'y a pas la paix. Et l'enfant vient à l'internat, elle vient manifester ce manque de paix-là qui est à la maison. Alors la population, cultivons la paix. Mettons fin à toutes ces querelles intestines qu'il y a dans les familles. Apprenons à nous entendre. La résolution des conflits, aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est très important. Et c'est ce que moi j'aimerais dire, parce que nous au Sacré-Cœur, l'union est une valeur centrale. Et pour qu'il y ait union, il faut des efforts de paix, de réconciliation entre nous. Et à ceux qui veulent envoyer leurs enfants les années prochaines en vous regardant, en suivant ces reportages, qu'est-ce que vous leur rassurez? Qu'est-ce que je leur assure? La paix. Envoyez vos enfants à l'internat. C'est un beau cadre, silencieux,
où l'enfant peut se concentrer. Ça respire aussi. Et l'enfant respire de l'air frais, bio. Hein, bio, peut contempler les arbres, regarder le vert, ça détend, ça déstresse. Envoyez vos enfants. Il y a des enseignants compétents qui sont vraiment enracinés dans la spiritualité du Sacré-Cœur. Ils vont accueillir vos enfants et leur transmettre la science selon l'esprit du Sacré-Cœur. Merci beaucoup, ma sœur. Et pour les inscriptions, voilà. Nous faisons les inscriptions sur place, Samba Nzamboma, ou dans nos écoles à Kinshasa. Vous allez au Sacré-Cœur, à la paroisse du Sacré-Cœur, à Gombe. Vous pouvez inscrire vos enfants là-bas. Les sœurs au couvent vont vous accueillir, vous inscrivez vos enfants. Vous pouvez aussi inscrire vos enfants à Kimwenza, à Rigini aussi, à l'école primaire. Les sœurs sont là, elles vont vous accueillir et vous pouvez inscrire vos enfants. Donc, peut-être envoyez vos enfants. Numéro de contact pour vous avoir. Le numéro de contact de l'école. Oui. Il y a différents numéros. Oui. Mais le numéro de contact, le 081-052-3305. Il y a une adresse email. Adresse email, oui. Oui. likivkis@gmail.com. En tout cas, merci beaucoup, ma sœur. À la prochaine occasion, nous allons encore faire mieux, plus que ça. Merci de nous avoir accueillis dans vos murs, dans votre beau bureau et dans vos très beaux bâtiments. Moi aussi, je vous remercie de votre disponibilité, le temps que vous avez donné pour connaître notre école, prendre les différentes images, les vidéos, nous interviewer pour nous faire connaître et attirer ainsi des élèves pour remplir ces bâtiments qui sont là pour eux. Mmh. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Mmh. Merci à Dias Badiang du côté de la baie vitrée, nous, du côté de la, derrière nos caméras.